Xavier, apôtre de l'Asie, François de Sales, et Jeanne de Chantal.
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard à l'heure où disparaît le visage de notre frère Alix Verrier, qui nous est cher. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de le revoir auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après le péché qui a terni son regard, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Alix a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Alix a cru en toi sans jamais t'avoir vu. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Dans la lettre de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 3, versets 3 à 4. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Alix, tu as été baptisé. L'eau du baptême a coulé sur toi. Et c'est en relation à ce jour que nous aspergeons le corps.
Prions. Jean-Alix, quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux qui l'aiment. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur lui-même, pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous asseyons. Frèm ak sèm yo, bonjour. Ki les Monseigneur Alex Verrier Teye, li mèm ki rassemble nou la matin. Papal ak mamal, ki se Presini Verrier ak Messina lundi, Terelil Jean-Alix. Yo partage la vie, yo te gagné dans mariage là avec lui dans Jérémie. Jour qui était 9 mars 1931. C'est là Jean-Alix levé. C'est là il fait l'école primaire. Après certificat, Livin Maznod, côté il fait l'école secondaire dans Campéoin. Après ça, il est rentré à Port-au-Prince, côté il pral étudier philosophie et théologie pour Livin Paix. Monseigneur Paul-Marie Aubert, qui était évêque Gonaïve Lessa, Tevin Kembe pour Monseigneur Jean-Louis Collignon, qui gagne pour ordonner Jean-Alix Verrier Paix. Et Monseigneur Paul-Marie Robert fait ça dans le jour, qui était 13 juillet 1958, dans l'église paroisse Saint-Louis-Jérémie. Monseigneur Alix Verrier t'a rempli plusieurs missions comme paix. Sorti 1958, arrivé 1962, il était vicaire dans Saint-Jean du Sud. De 62 à 63, lycée administrateur paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel dans Aniquet. 63 rivé 69 les professeurs dans collège Saint-Louis de Jérémie. 69 à 75 professeur et préfet études dans petit séminaire collège Saint-Martial. 75 à 77, l'irresponsable du séminaire La Madone dans Okaï. 75 à 81, professeur dans le collège Saint-Jean et dans le lycée Philippe Guerrier Okaï. 75 à 81, il était conseiller jeune yo dans Okaï. 78 à 81, les chanceliers et trésoriers diocèse au Kaila. 81 à 85, les curés la Tibolière et en même temps directeur collège Alexandre Dumas. 82 à 85, pendant la Tibolière, les chanceliers et trésoriers diocèse Jérémie. Et en 85, pendant 8 mois,
li joué rôle vicaire général dans diocèse Jérémie. Dans date 21 décembre 1985, pape Jean-Paul II te nommé évêque coadjuteur au CAI. Dans date 9 mars 1986, Monseigneur Paolo Romero, qui était nonce apostolique en Haïti, mettait main sous tête li et puis sacré évêque. 29 juin 1988, Monseigneur Angenor prend retraite li. Monseigneur Verrier occupé chaise qui réservée pour évêque là dans la cathédrale. La. Depuis date ça, il était pasteur l'église diocèse Okaïla jusqu'à 9 mars 2009. Jean nous-mêmes qui t'est venu dans VIA hier soir t'étendil. Monseigneur Verrier t'a fait tout ça li capable avec toute énergie li dans limite li tout pour lui te jouer rôle li comme pasteur troupeau dans mitan paix yo mais yo frère yo laïc yo li te gagne un penchant pour jeunes yo ak moun ki défavorisé yo presbyterium diocèse Okaïla ensemble ak famille Monseigneur Alex Verrier, comptez sous prière nous pour Jean-Alex Verrier, prend chemin, caille papal et rivé bénéficier. Jean-Christ la promet tout le monde qui croit dans l'IO, la vie qui pas jamais finir. Amen. La foi en la résurrection de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et l'espérance de la résurrection de tous ceux et celles qui croient en Jésus, éclaire et guide la célébration des funérailles de Monseigneur Jean-Alex Verrier. Dans le recueillement, accueillons la mise en place de certains ornements et objets liturgiques dont il se servait. La croix que nous allons déposer sur le cercueil. Seigneur Jésus, rappelle-toi, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Monseigneur Jean-Alex Verrier et pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. Nous ranimons cette flamme près de ton serviteur Jean-Alex Verrier. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Seigneur Dieu, regarde avec miséricorde ton serviteur Jean-Alex Verrier. Il a porté ce vêtement, signe de vie et de joie dans ton amitié. Il a porté l'étole lorsqu'il rassemblait les hommes pour partager ton pain et ta parole.
qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de tes amis. Seigneur Dieu, ton serviteur Jean-Alex Verrier, comme évêque, s'est dépensé joyeusement à annoncer ton évangile. Que cette parole soit aujourd'hui encore sa lumière sur le chemin qui conduit vers toi. Et maintenant, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin du pardon de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accueille l'âme de ton serviteur, évêque Jean-Alix Verrier, à qui tu avais confié le soin de ce diocèse, l'écaille. Donne-lui de recueillir les fruits nombreux de ton travail.
et d'entrer pour toujours dans la joie de son Maître. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 14, verset 13. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d'écrire ceci. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu, qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent. Parole du Seigneur. Prépare la table pour moi.
habiterai la maison du Seigneur pour la durée. Dieu grand maître là avec nous tous. Et avec nous-mêmes tous. Mais bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Matthieu qui est saint. Chapitre 25, verset 14, rivé verset 30. Jésus dit, baptisant Lio. Pays roi qui dans ciel là, c'est un couillonnet qui parti, qui tape aller à l'étranger. Les relais serviteurs liyo, li mette au responsable bien liyo. Gagnon li bay 5 paquets de 1000 dollars chaque, yon l'autre même 2 paquets, yon troisième yon paquet. Comme ça, li ba yo chak d'après sal konnen yo kapab fè. Le fini, li pati al à l'étranger. La même, serviteur qui te joine 5 paquets yo, yo pati al fè l'agent travail. Et li rapporte 5 autres paquets en plus. Konsa tou, serviteur qui te recevoir 2 paquets ya, vingé de l'autre paquet en plus. Ça qui te recevoir un paquet à même, li pati, l'al fouye un trou dans terre pour cacher l'argent mettre liya. Longtemps, longtemps après ça, mettre ses vitesses à yo vin retourner, li mette réglé avec yo. Ne qui te recevoir 5 paquets approchés, l'hypothèse 5 autres paquets de 1000 dollars bali. Les dit maître,
ou te remettre moins 5 paquets de $1,000. Mais 5 l'autre paquet bénéfice moins fait. Mettre la réponse, l'idil. Bravo. Ou c'est un bon serviteur. Ou qu'on s'ayore le travail. Parce que ou te fait ti travail ça bien, m'a mette au responsable pi gros bagay toujours. Entrez, fêtez ensemble avec Meto. Nèg qui te recevoir de paquet à venir tout, l'idil. Met, ou te remettre moins de paquet $2,000 chaque. Mais de l'autre paquet bénéfice moins fait. Met la dil, bravo. Ou c'est un bon serviteur. Ou qu'on s'ayore le travail. Parce que ou te fait ti travail ça bien, m'a mette ou responsable pi gros bagay toujours. Entrez, fêtez ensemble avec Meto. Ne qui te recevoir yon sel pa ki a même proche tout, le dil. Met, m'kone ou. Ou se yon nek ki red. Ou récolte kote ou pat simen. Ou ramasse sa ou pat plante. M'soti père qui fait mal cacher la jan lan en batte. Men li, pren a fe ou. Met la même, répond li dil. Servite malveillant. Met par ici. Ou te konnen bien me récolte kote m'pas simen. Et me ramasse sa m'pat plante. Ou te dwe remettre la jambe lan nan men moun ki bay intérêt yo. Kon sa, le m retourne, n'ta jwenn maman la jambe lan fè pitit. Bon, ou te pa ki a nan mel, pran l bay nèg ki te gen 10 pa ki ya. Réellement vrai, moun ki gen deja, ya bali encore et la gen trop. Mais moun ki pa gen même, à ta sal genyan, y a ou tel lamel. Quant à serviteur sa même qui pa voyen, jetel deyò nan fè noir. C'est là kap gen rèl, c'est là kap gen manje dan. Très chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers religieux, religieuses, personnes consacrées, chers fidèles, chers parents, proches et amis, autorités civiles, politiques, judiciaires et policières, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Nous nous retrouvons dans cette église pour célébrer la messe des funérailles de Monseigneur Jean-Alix Verrier, notre grand frère. Cette église dédiée à Saint Eugène de Masneau, il l'a lui-même consacrée durant son ministère épiscopal. Il fut évêque responsable du diocèse des Cayes pendant 21 années, du 29 juin 1988 au 9 mars 2009. Nous venons tous ensemble
célébrer sa vie, une vie pleinement vécue et généreusement donnée, qui a commencé le jour béni de sa naissance à la Tibolière, le 9 mars 1931, comme fils de Pressigny, Verrier et de Messina, lundi, et qui a pris fin humainement le 11 octobre 2024. Ce 11 octobre, il s'est endormi dans le Seigneur après avoir reçu la veille le sacrement de la route, le sacrement des malades, des mains de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy Mésidor, accompagné d'un évêque frère, de quelques religieuses et de quelques laïcs. Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu dit qu'ils se reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent. Ces paroles de l'Apocalypse de Saint Jean que nous avons écoutées au cours de cette célébration nous mettent en confiance. Oui, ces paroles nous mettent en confiance, car s'endormir dans le Seigneur, c'est s'abandonner entre ses mains, comme le Christ Jésus l'a fait sur la croix, pour le rejoindre et vivre avec lui éternellement à la place préparée par le Père pour ses bons et fidèles serviteurs, dès avant la création du monde. Son corps que nous allons déposer aujourd'hui dans la terre est pour nous semence d'immortalité avec la foi et l'assurance que si le grain de blé tombé en terre meurt, il ne reste pas seul, mais il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Fruits tirés également des talents qui lui ont été confiés par le Seigneur. Paquet de papier, ça y est, nous tendons dans l'évangile là, que grand maître l'a confié, paquet de responsabilité, paquet de grâce, les bali, toute grâce, ça y est, lui fait porter bons fruits. Aussi, si notre cœur est rempli de tristesse, parce que nous nous séparons physiquement de notre frère, il est aussi rempli de joyeuses espérances en la résurrection bienheureuse et de la vie éternelle. Notre cœur est également rempli de profonde gratitude. Oui, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment où nous célébrons avec émerveillement la vie admirable et exemplaire de notre frère, Monseigneur Jean-Alix Verrier, notre cœur est rempli de gratitude, à l'instar du psalmiste qui reconnaît grâce et bonheur l'accompagne tous les jours de sa vie. Gratitude pour ce que Dieu a fait de Monseigneur Jean-Alix Verrier, dans sa miséricorde infinie, l'intendant fidèle de ses mystères, le serviteur zélé de la mission du Christ Jésus et de son Église, le pasteur dévoué au service de la portion de son peuple qui est dans le diocèse des Cayes, avec la charge de le sanctifier, de l'enseigner et de le gouverner. Gratitude pour ce que Dieu a fait par lui, de grandes choses, de belles choses, et ceci à tous les niveaux. Évangélisation, spiritualité, éducation, conscientisation, développement humain intégral, promotion de la dignité infinie de chaque être humain et de tout être humain. Gratitude pour ce qu'il a été pour nous à travers les divers ministères exercés aux responsabilités qu'il a progressivement assumées. Pour ses anciens élèves du collège de Saint-Louis de Jérémie, du collège du petit séminaire, collège Saint-Martial, du collège Saint-Jean,
du lycée Philippe Guerrier des Cailles, du collège Alexandre Dumas de la Thibaulière. Il fut un professeur et un maître non seulement soucieux de former les esprits, mais aussi et surtout les cœurs, les consciences, des leaders consciencieux et éclairés dont Haïti, l'Haïti d'aujourd'hui, a tant besoin pour son relèvement et son avancement. Pour ses anciens paroissiens à Saint-Jean-du-Sud, où il a été vicaire, à Anniquet, où il a été administrateur, à la Thibaulière, où il a été curé, il fut un prêtre aimé, aimable, affable, compatissant, attentif aux besoins tant spirituels que matériels du troupeau qui lui a été confié, un ami des personnes défavorisées, des démunis, des pauvres et des jeunes. Pour ses anciens petits séminaristes du petit séminaire Villa La Madone au Caille, dont il a été le responsable de 75 à 77, il fut un bon accompagnateur et formateur, préoccupé avant tout de préparer des saints prêtres pour l'Église et le monde. Pour ses prêtres, ses plus proches collaborateurs, il fut un évêque proche d'eux, accueillant, compréhensif, conciliant, manifestant à leur égard une sollicitude particulière et veillant sur eux comme un père, un frère, un ami, de sorte qu'ils accomplissent dûment leurs obligations propres à leur état et aient à leur disposition les moyens dont ils avaient besoin pour entretenir leur vie spirituelle et intellectuelle. Le foyer de miséricorde qu'il a érigé dans le diocèse des Cailles en est un témoignage. Avec Pellio, Mgr Verrier aimait passer en pile temps, Léon Père à l'Oueli, s'il pressait, Powell, parce que Mgr Verrier a kembe ou non causé, et nous t'étendons ça hier soir dans le témoignage, l'Ika kembe ou non pour deux temps. L'autre paix de yon aptonne, ça pas dit rien. L'autre mon aptonne parce que li remè compagnie paix yon, li remè causé ensemble avec yon. Pour les religieux et religieuses, les nombreuses communautés religieuses accueillies dans le diocèse de Cailles, il fut un père bienveillant qui encourageait le plus possible les divers charismes, les vocations à la vie consacrée avec un souci spécial pour les vocations sacerdotales et missionnaires. Pour ses parents, ses proches, ses amis, pour moun li accueilli côté le tab vive là, Mgr Verrier dans dernier moment sa yo, même moun qui déplacé sorti Port-au-Prince li accueilli le côté là. Il fut un homme d'une étonnante humanité et d'une grande tendresse fraternelle. Enfin, pour nous, ses confrères évêques, il fut un frère bien-aimé. Il aime être avec nous. Sa compagnie était très agréable, appréciée. Ainsi, le témoignage de vie de notre frère Mgr Jean-Alix Verrier nous a toujours frappés et édifiés. Il a réalisé de manière extraordinaire la vocation de tout baptisé, de tout disciple de Jésus-Christ, de tout prêtre et évêque. Ne plus faire qu'un avec ce Jésus qu'il recevait et offrait chaque jour dans l'Église. Mgr Jean-Alix Verrier a été un pasteur jusqu'au bout. Il a offert sa vie à Dieu pour ses brebis, pour Haïti, pour la famille humaine tout entière, dans une donation de soi quotidienne au service de l'Église et surtout dans les épreuves difficiles qu'il a connues, mais qu'il a su affronter et surmonter avec courage, sérénité, résilience. Se souvenant toujours l'exhortation de Jésus à ses disciples dans le monde, « Vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Oui, Mgr Verrier était solide dans la foi.
Et ça fait funérailles, c'est une occasion pour nous accueillir dans même comme chrétiens. L'exemple libanon, courage la foi. Monseigneur Verrier fait relais en pile d'amis qu'il gagne l'avant-veille et la mourir. Pour le dire, l'est arrivé. Et il fait relais moi-même. Pour dire, éminence, je vous annonce le pire. J'ai dit à Monseigneur, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que ce soir, c'est la dernière nuit. Mais dit Monseigneur, mais c'est à Dieu de décider si c'est la dernière ou non. Moi, je te dis, c'est la dernière. Alors, dis paye pour moi, moi remets. Dis religieux, religieux, laïque, jeune, timoun, dis moi remets. Et puis, mandez pour la prière, bon Dieu pour moi, pour miséricorde, bon Dieu, capable accompagner. Mais surtout, la prière, la reine du ciel, pour lui intercéder pour moi. Mais les dans le ciel là, ma prière pour nous. Ça, c'est parole qui est pour nous-mêmes, qui est important pour nous capables de partager. Mais ce n'est pas seulement une parole pour nous accueillir comme parole, testament, mais son parole qui peut être un enseignement. C'est un enseignement de un évêque, un chrétien qui, dans la foi, lui, remet la vie. Lui, où est l'amour approché, lui, pas demandé, bon Dieu, tant prie, prends pour m'aller à cause de douleur qu'elle a dans le corps. Lui, remet la vie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais à la fois, il accueille la mort dans la foi. Tant que Jésus te fait sous bois la croix, il accueille dans la foi parce qu'il connaît ses bras, bon Dieu, qu'il y a déposé. Parole, ça y est, quitte pour nous, c'est parole d'espérance, c'est parole de la foi. Qui m'a dit nous-mêmes qu'à célébrer aujourd'hui, pour nous aussi solides face à la réalité, ça, qui n'a pas épanoui personne dans la vie. Tout le monde nous vient pour nous passer la donne. Dans le témoignage qui a été bâillé hier soir, Monseigneur Coulonge avait dit que depuis 2009, Monseigneur Verrier se préparait pour ce moment si pénible. Depuis 2009. Cela signifie, nous-mêmes chrétiens, faut nous préparer. Réalité ça, moment ça, qui quand même a privé dans la vie, non, mais préparez-le dans la foi pour cette grande rencontre avec notre Dieu. Oui, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, notre bien-aimé frère, Monseigneur Jean-Alice Verrier, est retourné auprès de Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. Ce retour, il l'avait annoncé, comme je viens de vous le dire, il l'a annoncé à ses amis, il l'a annoncé à moi-même. Cependant, son souvenir restera à jamais gravé dans notre esprit, notre mémoire et notre cœur. Il continuera à vivre au milieu de nous, frères et sœurs bien-aimés, et tout ce qu'il a réalisé dans le diocèse, ce sont des signes de sa présence. Il continuera à vivre en nous à travers l'héritage spirituel impérissable de foi, d'espérance et d'amour qu'il a légué et que nous sentons le devoir sacré de transmettre de génération en génération pour perpétuer son mémoire, son souvenir. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, le verset 3, le Christ Jésus avait promis à ses disciples que là où il est, là ils seront eux aussi. Nous sommes certains que notre bien-aimé frère, le bon et fidèle serviteur, l'évêque, Monseigneur Jean-Alix Verrier, qui s'est endormi dans les bras de Jésus, est maintenant avec Jésus. Lui qui est ressuscité d'entre les morts,
lui qui est vainqueur de la mort, lui qui est notre salut, notre gloire éternelle, qu'il nous accompagne de là-haut et obtienne pour nous qui sommes ici présents et ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, oui, qu'il nous obtienne du Seigneur la grâce d'être comme lui, toujours fidèle à notre responsabilité, à notre mission, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le plus grand bien de son peuple qu'il a confié à notre sollicitude. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous venons de Dieu, nous appartenons à Dieu. Prions ce Dieu qui nous aime en toute confiance pour notre frère. Pour l'Église universelle, répandue à travers le monde, afin qu'elle continue le témoignage de la victoire de la vie sur la mort, toujours et partout, prions le Seigneur. Monseigneur Jean-Alix Verrier, afin qu'il trouve place dans la maison du Père, auprès du Fils qu'il a aimé, annoncé et célébré, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont touchés par ce deuil, particulièrement la famille biologique et la famille spirituelle de Mgr Jean-Alix Verrier, qu'ils se sentent aimés et réconfortés par Dieu et qu'ils s'abandonnent à lui de tout leur cœur. Prions le Seigneur. Pour Monseigneur Jean-Alix Verrier, afin que les yeux fixés sur le Christ, mort et ressuscité, il chemine dans la foi vers la maison du Père, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus,
Toi qui es là au milieu de nous, rassemblés en ton nom, écoute nos supplications et daigne répondre à nos appels. Que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous implorons humblement, Seigneur, ton immense bonté en t'offrant ce sacrifice pour ton serviteur Jean-Alix Verrier. De son vivant, il l'offrait lui-même à ta gloire pour le salut des fidèles. Que ce sacrifice lui procure maintenant le pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée. Elle n'est pas enlevée, et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente du levant au couchant une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons
Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints dans cette jeune de Masneau. Et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans ce monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, son éminence, cardinal Chivil Langlois, qui préside cette Eucharistie, et nous-mêmes, des humbles serviteurs, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés,
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur Jean-Alix Verrier, qui a quitté ce monde, que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois l'aide dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toutes les larmes de nos yeux en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin, nous chanterons ta louange. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Encore le sang du Christ, mon God, pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta miséricordieuse bonté pour l'âme de ton serviteur évêque, Monseigneur Jean-Alex Verrier. Puisqu'il a mis son espérance dans le Christ et l'a annoncé, que ce sacrifice lui obtienne d'être avec lui pour toujours. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Son éminence, cardinal Chibli Langwa, Excellence, mes seigneurs les évêques ici présents, les autorités de la ville des Cayes et des environs, mes seigneurs les vicaires généraux, les vicaires épiscopaux, les prêtres de la curie diocésaine, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, les religieux et religieuses ici présents, les membres de la famille de Monseigneur Verrier ici présents et ceux qui nous suivent en ligne. Chers fidèles du diocèse de Cayes, frères et sœurs bien-aimés, je prends la parole en cette circonstance en tant que petit cousin de Monseigneur Alix Verrier. Je prends la parole au nom des familles Verrier, lundi mars
Augustin, Gervais, Chérubin. Au nom des neveux et nièces de Mgr Alix Verrier, au nom de ses cousines et cousins, au nom du diocèse de Jérémie, au nom des fidèles de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à la Tibolière, paroisse d'origine de Mgr Alix Verrier. Au nom des fidèles de la paroisse Sainte-Famille de Bordes, diocèse de Jérémie, où Mgr a été directeur de chapelle après sa retraite. Et je parle aussi au nom des fidèles de la paroisse de Beaumont. Mon premier mot est celui de merci. Un merci sincère au diocèse des Cayes, en particulier à son éminence, cardinal Chibli Langlois, ses prêtres, ses religieux, ses religieuses, et tous les fidèles du diocèse des Cayes. Vous avez comblé, Mgr Verrier, d'affection, d'amour, d'attention, de gâterie, depuis au début jusqu'à sa mort. Mgr Verrier Kondim, Peydne, je n'ai pas grand rien pour me reprocher, diocèse au Kay. Yo prend soin, yo entoure, yo vinoue, yo fête. Yo invite m, yo pote manger pour moi, boisson. Et li ouvert frigidaire, li dit me garder. Moi dit mon Seigneur, mais il est pour mourir. Il dit grand matin ça. Et il te kon cite quelques noms paix. Il était considéré comme papal, tant que Père Gousse Aurémil, Père Ignace, Père Bernard, avec un paquet de l'autre que m'oublie, m'pas qu'à kembe yo, tout non yo. Un grand merci aux évêques de la conférence épiscopale. Et en particulier, ceux qui sont ici présents avec nous. Mgr Willy Romélis, évêque émérite du diocèse de Jérémie. Mgr Gontran Descostes, évêque de Jérémie. Mgr Glandas, évêque du diocèse de Jacmel. Et tous les autres, cette conférence épiscopale dont Mgr Alix Verrier faisait partie pour gouverner l'Église haïtienne. Un grand merci à tous les cousins et cousines de Mgr Verrier, à tous ses neveux et nièces qui nous suivent en ligne, et ceux et celles qui sont présents ce matin avec nous. Et parmi les membres de ces familles, je ne peux ne pas citer un nom, celui de
M. Pétuel Augustin et son épouse. Il a accueilli chez lui, Monseigneur, pour des soins de santé à Port-au-Prince, et il l'a gardé jusqu'à sa mort. C'était un fils pour lui. Je ne saurais ne pas mentionner aussi le nom de notre cousine ici, Nana, Dinana, l'agronome Kesnel, pour leur support. Un grand merci à vous toutes et tous ici présents, venus de près et de loin. Nous baille mon Seigneur dans le diocèse au Caï en pile valet. Nous te remèl comme pasteur, nous te tolérer, nous te servir. Moi, je dis nous merci. Mon Seigneur, Vili te servi. Ville te servi son pays, son église, son diocèse. Ville te servi moun, tout moun, petit, jeune, adulte, vieux, vieille. Du terrain même moun dépassé. Et si le terrain même moun comme ça, c'est parce que l'été rencontré avec bon Dieu remet. L'été comprendre que la vraie religion, c'est la religion du cœur. Et comme dit Saint Paul aux Corinthiens, si nous pas gagner maintenant que nous, si nous pas appliquer remèdes, eh bien nous tant coup tambour qu'a fait bruit. Mon Seigneur te toujours qu'on dit, hey Edne, gagne deux sortes de péchés, péché par malice et péché par faiblesse. Elle te dit, pas jamais quitter cœur habillé, habité par des malices pour vos frères et sœurs. Bon Dieu, pas content avec vous. Et tu vas garder, dis encore, que m'kembim, partagez avec nous. Et quand je parle de moi, je parle de vous. Il te dit, où est l'oua béni, l'oua salué, c'est pas béni seulement, c'est pas salué seulement, c'est béni en même temps. L'oua fait comme ça, salutation, doué marcher avec bénédiction. Bon Dieu, bon pouvoir pour ça. Et c'est ça que fait, mais c'est appliquer, on a salué, eh bien, c'est salutation et bénédiction. Et me tellement prend habitude saluer et bénir, on l'est, me béni un bourrique. C'est après moi, c'est pas au monde. Eh bien, bourrique là, tout est chanceux, ça dit. Faut une barre, une petite blague, hein? Mon Seigneur, après retraite, lui, j'aime dire nous, on te fait directeur chapelle Sainte Famille de Bord. Et m'a raconté nous une anecdote, li connaît le te bral quitter Jérémie. Li pas dit ça. On l'aime prendre un coup de fil dans mes évêque moi monseigneur Gontran. Li gèt en maré causé avec monseigneur Gontran. Li mande l pou ta fè bòd vin paroisse avant le quitter. La premier monde qui qu'on a fait le nom. Et puis mon Seigneur moi souvent coup de fil mais mon Seigneur dit passer côté. Passer côté pendant m'a bralé, m'jeune mon Seigneur verrier dans escalier à attendre moi. Ya, mon Seigneur soit fait là.
Et mon Seigneur, bon trembral dit un bagay. Pas dit non, non. En même Dieu, sous compte ça le bras dit. Dis-moi et me qui vécu, montez mon Seigneur, montez et mon Seigneur dit, en tant pendant responsable mission dans diocèse là, m'a confié au paroisse Sainte Famille de Bode, où elle fonde paroisse là. Bon, moi j'étais perplexe, mais chef pas la voix, ça qu'a dit. Ça prend c'est pas ou ça dit. Et c'est comme ça jusqu'à présent nous curé paroisse Sainte Famille de Bode que monseigneur t'a servi depuis plus de 5 ans. Monseigneur fini couslé. Et lui qui t'en pile exemple pour nous. Pas dit nous pas joindre non. Tout ça nous tendait, li dit, li fait. Servi avec pour nous construire propre vie par nous. Parce que vle pas vle, le prochain sera peut-être vous, l'un de vous. Et nous pas besoin de m'a souhaité la mort, n'a pas mouru quand même. Et bien n'a pas demandé bon Dieu recevoir frère nous. Dans le repos éternel, après toute fatigue sur terre, il était combattre le bon combat. Nous croyons ça. Et nous croyons que bon Dieu a préservé une place pour lui dans celle-là. Que son âme repose en paix. Merci. Son éminence, cardinal Chibli Langlois, évêque des Cayes, mes seigneurs les évêques ici présents, mes seigneurs les vicaires généraux, révérends pères, tant religieux que diocésains, venus des autres diocèses du pays, frères et sœurs dans la vie consacrée, mesdames, messieurs, les autorités représentant des pouvoirs et des différents services de l'État, chers membres de la famille de Monseigneur Verrier, chers confrères du diocèse de Cayes, délégations venues de partout, frères et sœurs, je me fais le porte-parole du presbytérium du diocèse de Cayes, dont le cardinal Chibli Langlois est le président. Les sentiments que je partage ne sont donc pas seulement les miens, ils sont nôtres. Je voudrais tout d'abord commencer par emprunter à Monseigneur Verrier, ces paroles tirées du cantique des trois enfants. Et vous, les prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, à lui, haute gloire, louange éternelle. Ces paroles, Monseigneur Verrier a dû les prononcer tant de fois, presque à chaque dimanche, à chaque solennité de l'Église, pour rendre grâce à Dieu en union
avec toute l'Église. Et c'est avec ces mots que je voudrais dire merci au Seigneur pour l'homme, le prêtre, l'évêque, l'ami, le père qu'il a été. Seigneur, sois béni pour ce don que tu as fait à ton Église en la personne de Monseigneur Verrier. Notre reconnaissance à sa sainteté, le pape François, pour le message de réconfort qu'il a fait adresser à notre évêque par le cardinal secrétaire d'État du Vatican à l'occasion du décès de Monseigneur Verrier. En voici la teneur. Son éminence, cardinal Chibli Langlois, évêque d'Écaille. Apprenant le rappel à Dieu de son excellence, Monseigneur Jean-Alix Verrier, évêque émérite de l'Écaille, sa sainteté, le pape François, tient à vous exprimer sa communion de prière, ainsi qu'aux proches du défunt et aux fidèles du diocèse d'Écaille. Il demande au Seigneur, riche en miséricorde, d'accueillir auprès de lui, dans sa paix et sa lumière, ce pasteur proche des personnes les plus vulnérables, en gage de réconfort, le Saint-Père vous envoie, ainsi qu'à la famille du défunt, aux diocésains de l'Écaille et aux personnes qui participent à la liturgie des obsèques, la bénédiction apostolique. C'est signé du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté. Nos remerciements et notre reconnaissance à Monseigneur Gandas et à Monseigneur d'Écosse, venus s'unir physiquement à notre prière. À tous les évêques de nos deux provinces ecclésiastiques qui n'ont pas pu venir, nos remerciements pour leur communion dans la prière. Un merci spécial pour Monseigneur Max Leroy Mésidor et Monseigneur Sander qui ont administré le sacrement des malades à Monseigneur Verrier la veille de son départ vers Dieu. J'ai réservé pour la fin de la nomination des évêques le nom de Monseigneur Romélus qui a été condisciple de Monseigneur Verrier au grand séminaire, naturellement au petit séminaire puisqu'il l'a précédé seulement d'une année. Ils ont été ordonnés la même année. Ils ont fait tout le cycle des études, les préparant au sacerdoce ensemble. Monseigneur, merci pour votre présence, merci pour ce que vous avez été pour Monseigneur Verrier. Aux confrères prêtres de Jérémie, d'Enip, de Jacques Mel, de l'archidiocèse de Port-au-Prince, qui ont fait le déplacement, merci de tout cœur pour cette marque d'empathie qui nous touche. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait part de leur soutien à l'occasion de ce deuil. Merci aussi à tous ceux qui se sont occupés de Monseigneur Verrier, particulièrement dans les jours les plus atroces de sa maladie. Je pense à ceux qui l'ont soigné, tant au CAI qu'à Port-au-Prince, médecins, infirmières, amis, proches, membres de la famille. Merci à tous ceux qui lui ont fait cadeau d'une visite, à ceux qui l'ont servi, qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Je voudrais souligner l'aide précieuse
que lui a prodigué Pépé, sœur Enoz, sœur Bernani, et tous ceux qui ont été à son chevet lors du trépas. Merci pour vos prières. Merci pour tout le soutien dont Monseigneur Verrier avait été l'objet de votre part. Merci à Pax Villa et à l'entreprise du Sacré-Cœur pour les soins post-mortem. Merci pour l'esprit de professionnalisme dont vous avez su faire preuve en la circonstance. Merci à Monsieur le directeur de la police nationale et à tous les agents de cette institution qui nous ont accompagnés et qui nous ont prêté leur concours pour le bon déroulement des événements liés aux funérailles de Monseigneur Verrier. Merci à tous les membres de la famille de Monseigneur et aux membres des autres familles alliées. Vous avez été proches de Monseigneur et vous avez su lui donner un avant-goût du bonheur dont il jouira éternellement auprès de son Dieu. Merci à tous ceux qui ont eu un mot de réconfort, une pensée de prière en ces instants douloureux que nous ressentons en tant qu'Église. Merci enfin à vous, Monseigneur Verrier, pour votre cœur de pasteur qui s'est largement épanché sur le troupeau confié à votre soin. Vous avez su nous faire goûter de la douceur du cœur de Jésus. Puisses-tu être récompensé du centuple de tout ce que vous nous aviez donné. Que votre âme repose en paix auprès de Dieu, votre Seigneur et votre Père. Merci, merci à vous tous. À l'issue de la cérémonie, on va transporter le corps au cimetière des prêtres à Bergeau où aura lieu l'inhumation. Pour les confrères prêtres qui ne vont pas participer à l'inhumation, vous êtes priés de regagner, de gagner le presbytère de la paroisse de Gênes, juste en face de l'église. Les fidèles laïcs qui ne monteront pas à Bergeau, bien sûr, vous êtes attendus à l'externat, chez les sœurs de l'externat. Ceux qui seront à Bergeau, on vous retrouvera naturellement à l'ancien foyer de la miséricorde à Bergeau. Merci beaucoup. Nous ajoutons à cette liste l'équipe qui nous a aidés à préparer l'espace pour que nous soyons bien comme nous le sommes maintenant dans cette église, mais particulièrement les fidèles de la paroisse de Saint-Eugène, le curé et son vicaire, et toute l'équipe qui s'était mise au service de
cette célébration. Nous voulons souligner que beaucoup de nos confrères évêques voudraient être là, mais malheureusement, avec les difficultés que l'on a pour le déplacement dans le pays, ce n'est pas possible pour eux. Ils ont présenté leur sympathie, ils ont promis de prier avec nous pour Mgr Verrier. Il y en a probablement qui nous suivent en ligne. Nous le savons très bien que c'est difficile de voyager dans le pays, donc nous ne pouvons pas avoir tout le monde en présentiel pour cette célébration. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis et qui se sont mis avec nous pour demander à Dieu le secours de sa grâce d'accueillir notre frère en sa demeure. Maintenant, nous allons, frères et sœurs bien-aimés, nous préparer pour nous dire le dernier mot et adresser ce dernier mot à notre frère. Comme je l'avais dit dans l'homélie, quand ça qu'on a mis dans la terre, c'est une semence d'immortalité, parce qu'en réalité, pas gain aucun temps libre côté les noms qui t'étaient ça pour t'a dit bon Dieu nous pas dans mêle. Nous n'en main bon Dieu tout temps dans la vie nous, c'est dans main bon Dieu nous y est. Donc on est disposé nous pour ça. Notre frère Monseigneur Gontran va nous accompagner pour cette prière. Sœurs et frères bien-aimés, voici que nous allons nous séparer de notre bien-aimé frère, Mgr Jean-Alix Verrier, comme évêque du diocèse de Cayes, évêque émérite. Il a participé à la mission apostolique et à la sanctification du peuple saint qui lui a été confié dans la fidélité au Christ, le bon pasteur. Maintenant, notre frère bien-aimé, Mgr Jean-Alix Verrier, s'est endormi dans la paix de son Seigneur. Confions-le à l'amour de Dieu notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le de notre prière pour qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre frère bien-aimé, Mgr Jean-Alix Verrier, à la rencontre du Christ Jésus, quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance.
En signe de respect pour vous, notre bien-aimé frère, Monseigneur Alex Verrier, voici cet encens qu'il monte devant Dieu comme un parfum d'agréable odeur avec notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au bon et très doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Thank you.
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Nous espérons et nous croyons que tous, toutes, nous ressusciterons. En signe de cette foi et en rappel de son baptême, je bénis ce corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est le Seigneur. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère bien-aimé, Monseigneur Jean-Alix Verrier, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour que, pour tout ce que ton serviteur, évêque, Monseigneur Jean-Alix Verrier a reçu de toi en cette vie, nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour notre frère bien-aimé, Monseigneur Jean-Alix Verrier, qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, entends ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que brille sur lui la lumière de ta face. Que l'âme de notre frère, Monseigneur Jean-Alix Verrier, et celle de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Amen. Qu'il vous console dans toutes vos peines, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes,
que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ. Amen.